Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo sur les bases du Go. Donc on va juste jouer sur 9-9 et essayer d'expliquer ce qui se passe. Donc je joue la partie, j'explique grossièrement ce qui se passe et ensuite on la revend ensemble. Alors l'adversaire joue ici, très bien. On va répondre vers un coin, par exemple par ici. Là il développe cette zone, d'accord. On va également développer notre territoire en allant par ici. Là il y a des chances qu'il vienne par là, d'accord. Et à ce moment-là, on va peut-être tenter d'envahir. Pourquoi? Parce que noir a l'air d'avoir plus de territoire que blanc. Peut-être qu'on peut d'abord réduire comme ça. Il défend. On vient de ce côté. Je ne sais pas si j'ai besoin d'envahir ou pas, sachant qu'on a quand même du commis, ce qui est les points d'avance attribués à blanc en début de partie. Si on va ici, que noir va là. On peut pousser ici. Noir peut aller là. On défend, il fait Atari, on protège, tac, et on va là. Ça a l'air compliqué. Si on envahit, c'est faisable. Et ça donne une situation un peu compliquée, qui est normalement un go. Blanc monte. Tac, tac, on vient ici. Et noir vient de faire une erreur. Parce qu'il va nous laisser vivre. On verra ça après, du coup. Tac, on défend, et là on vient vivre. Pourquoi est-ce que c'est vivant? Parce qu'on a un œil en C8 et un autre vers B9. Ici, il nous attaque, on défend. D'accord, il nous attaque, on défend. On protège notre territoire. Et ici, peut-être que je peux venir jusque-là. Tac. Si je viens ici qui coupe, je peux descendre. Et j'ai 4 libertés contre lui 3. Donc, qui continue ici, je connecte, mais j'ai gagné cet emplacement en plus. On pousse ici, ce qui menace de faire Atari là. Mais d'abord, il menace de nous tuer en haut s'il vient en D9. On n'a plus l'œil en C8. On protège. Il vient ici. On protège. Il nous met Atari là. Bon, c'est un bot, du coup, il y aura forcément des coups un peu bizarres. Et là, il protège. D'accord, oui. Il y avait une faiblesse ici. Qu'est-ce qui reste? Il reste cette zone où on a un coup senté, donc on va venir ici. Il protège, on protège, il protège. Ensuite, il reste cette zone à fermer et ici. Ici, si on joue, il répond, on répond. On perd l'initiative. Ici, si on joue là, on peut faire un Atari ici, sur ces deux pierres, et en même temps menacer de capturer ceux-là. Donc ça a l'air santé. Voilà. Déjà. Et ensuite, on va jouer. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On a ce coup, il jouera là, on joue là. Il joue là. Ou alors on joue ici, voilà, tac, puis voilà. Ce qui fait qu'à un moment je devrais rajouter un coup en F2. On va voir ça ensuite. Donc je vais jouer ça. Il vient ici, je protège et joue là-bas. Comme on disait, il protège. Et ici, sur Internet en général, on n'a pas besoin. Le système de points compte bien, mais ça, ces deux points ne seront ni à noir ni à blanc. C'est des coups qu'on appelle des damés. Et en partie réelle, il faut les compléter. Donc là, on va les compléter. Pour l'image. Là, les territoires ont l'air bien fermés. On passe. Et l'adversaire ne passe pas à Bodon. D'accord. Parce qu'il a compté et il a passé. Donc on va revoir ça ensemble tout de suite. Alors, on reprend au début. Noir joue ici. Il menace de développer une zone dans ce coin-là. De manière assez grosse. Il joue en 4-4. En fait, ça correspond à un Hoshi sur une partie de 19-19. Donc on peut très bien envahir directement au Sensan. Et ça fera un joseki classique, bien sûr. Le problème ici, c'est que quand on joue par exemple le plus un des joseki, noir prend une influence très forte, parce qu'on est vraiment très proche du bord sud. Par exemple, s'il joue un coup par ici, c'est assez difficile pour blanc de venir là et de faire deux yeux en ne jouant qu'un coup sur deux. Bien sûr, on peut venir par ici. On va se faire attaquer durement cette pierre également. Et blanc ne pourra pas développer des points partout. Et il faut compter. Est-ce que ça serait suffisant ou pas? Mais là, noir a l'air d'avoir pas mal de points tout de même. Donc dans la partie, j'ai essayé de prendre position de mon côté. Noir prend une grande zone. Prétend la prendre en tout cas. On peut encore glisser au-dessous. Blanc essaie de prendre un peu de territoire également. Et noir jusqu'où?
Alors, ici, noir, il a deux directions de jeu. On voit que ces deux pierres essaient de prendre cette zone-là. Ces deux pierres-là blanches essaient de prendre cette zone-là. Donc, quelles sont les zones à disputer encore? Ici et là. Visuellement, on voit que cette zone est plus intéressante. Et en plus, quand noir rajoute un coup, par exemple, s'il veut sauter encore de ce côté pour jouer de manière rapide, pas jouer juste les pierres connectées, il pourrait aller jusqu'en D2, on remarque que c'est une pierre en deuxième ligne. Donc c'est pas si intéressant que ça. Alors que s'il veut sauter de ce côté, comme il a fait dans la partie, il peut pousser jusqu'ici avec sa forme en kema, et ce coup est en troisième ligne. Donc il y a plus de potentiel au-dessous. C'est pour ça qu'il a décidé de jouer de ce côté. Parce qu'il y avait plus de potentiel de points, et il avait plus d'espace. Donc il joue ce coup. Et moi, ici, dans la logique, c'est un peu pareil. Si je viens de ce côté, je suis en deuxième ligne. Si je viens de ce côté, je suis en troisième. Mais par contre, je suis déjà touché par l'adversaire. Donc ma pierre est déjà attaquée. Imaginons que je vienne jusqu'ici. Noir peut défendre. Et quand je protège ma pierre, noir peut prendre ce côté. Et là, on a l'impression que noir a pris beaucoup plus que blanc. Alors que si je vais par l'autre côté, je viens par ici. Si noir décide de venir par là, je peux même venir par ici. Et on pourrait jouer un jeu longtemps, c'est noir pourrait décider de détruire le territoire de blanc, et blanc pourrait décider de venir détruire le territoire de noir. Et à ce jeu-là, je pense que blanc est gagnant, parce qu'il a le commis d'avance. Donc dans la partie, je suis venu par en bas, et noir justement n'est pas venu en haut à droite, mais a préféré défendre justement. Pas qu'on joue à ce jeu. Il s'est dit, j'ai déjà un territoire assez intéressant, autant conforter ce que j'ai. Et là, je décide d'envahir. Noir défend. Blanc essaye de s'emparer du plus d'espace possible. Donc ici, on essaye de prendre tout cet espace-là. Donc bien sûr, noir réduit. Là, il bloque mon accès de ce côté. Blanc va continuer à essayer de prendre le plus de place possible, avec ici D8. Noir bloque, c'est normal. Et on voit que noir, d'ailleurs, des deux côtés, fait cette forme-là. Tac, tac. Et même, on peut l'imaginer à un troisième endroit, ici. Donc cette forme-là, on appelle ça la gueule de tigre. Et c'est une forme très puissante. Pourquoi? Parce que ça va un peu plus vite que des pierres connectées directement. Et l'adversaire ne peut pas couper ses pierres, parce que si blanc vient en C4 pour essayer de déchirer ses pierres, noir capture. En fait, blanc, en se mettant dans cette situation, il n'a déjà plus qu'une seule liberté. Donc ce n'est pas possible. Donc ces trois pierres sont connectées virtuellement, et c'est une très belle forme au jeu de go. Ici, normalement, quand je joue ça, ce que j'ai fait dans la partie, noir peut venir en D9. Et ça, c'est une situation un petit peu compliquée. Parce que blanc vient en C9 pour essayer de vivre. En fait, noir capture, mais il y a un go qui se produit. Pourquoi est-ce que blanc joue ce go? Parce que si je défends naturellement, noir peut maintenant venir ici. Sa pierre en D9 ne risque rien. Si je vais en E9, je me fais capturer. Si je vais en C9, il connecte. Et il est connecté en obi ici et en obi là. Donc quand noir vient ici, même si je défends mon territoire et qu'il vient protéger, je n'ai plus assez de place pour faire dessus. Si je vais là, noir n'a même pas besoin de rajouter de coups. Parce que s'il joue ailleurs, et que je fais que je prends l'espace le plus large possible, il vient au milieu, c'est la forme entre. Donc je suis mort. C'est pour ça que cette invasion est un peu risquée. Parce que on laisse un co. Par contre, si on gagne le co, imaginons je fais une menace, noir y répond, je capture, noir fait une menace et je n'y réponds pas. Je peux capturer ici. Et qu'est-ce que ça fait cette capture? Ça fait que quand noir reprotégera et qu'on revient, on a nos fameux deux yeux. Même si noir vient réduire, on défend. Noir protège sa pierre. Et même si plus tard il vient encore essayer de réduire, on protège. Tu protèges sa pierre et on a nos deux yeux. Un et le deuxième un peu plus gros ici. Donc c'est vivant. Donc ça a un co qui est très important.
Là, quand il a joué B6, il m'a dit, vas-y, vis, c'est pas grave. En fait, il joue pas dans le bon ordre. Parce qu'en jouant là, quand je vais ici, si maintenant il revient ici, blanc ne va pas s'amuser à aller en C9. En fait, blanc peut capturer cette paire. Noir peut faire contre-attaque, certes. Blanc capture. Et noir, même s'il pousse jusqu'ici, ce qu'il a le droit, hein, blanc ne peut pas aller là. Sinon, double capture. Je vous mettrai le SGF en description si vous voulez pour regarder un peu les séquences. Donc noir peut pousser jusqu'ici, et blanc recule en fait. Pourquoi ? Parce que quand noir continue de mettre la pression, blanc protège et vit tout petit. Mais il est vivant. Et c'était chez noir, donc blanc est plutôt bien dans la partie. Il y a peu de chances qu'il perde. Voilà. Alors, dans la partie, j'ai protégé. Noir a protégé également. Et on a fait notre rue. Là, on voit que si noir descend, on vient ici et on a nos deux yeux dont on parlait tout à l'heure. Donc, dans la partie, noir est venu attaquer ma pierre. J'ai décidé de la défendre. Le bot me dit, c'était un peu plus gros de venir par là. D'accord. On va pas regarder toute la séquence, ça peut être compliqué. Dans la partie, j'étais plutôt en mode, je vis en haut à gauche, chez lui. Donc, je n'ai pas besoin de jouer compliqué. Là, je protège ma pierre. Noir attaque. Je défends. Il réduit. Je protège mon territoire. Et quand noir fait son angle vide ici, je me suis permis de venir en G6. Pourquoi ? Parce que quand noir coupe, blanc peut descendre. Et là, on voit qu'il y a une confrontation. On appelle ça un semi-high, une course de liberté. C'est quand deux groupes n'ont pas assez d'espace pour faire deux yeux, chacun. Et vont devoir se capturer mutuellement. Donc il y en a un des deux qui devrait y réussir le plus rapidement que l'autre. Ici on voit que ce sont ces deux pierres qui sont concernées face à ces trois pierres noires. On va compter les libertés donc. Les pierres blanches, elles ont combien de libertés? 1, 2, 3, 4. D'accord. Et les pierres noires, elles ont combien? Elles en ont 1, 2, 3. Ce qui veut dire que même si noir joue en premier, ce qui est le cas ici, normalement, blanc gagne le semi-high, la course à liberté. On regarde un exemple, c'est noir retire une liberté par ici, par l'extérieur, hein, il vaut mieux éviter de jouer avec le groupe faible. Blanc en retire une de la même façon, noir retire une, et blanc peut venir capturer. Si noir attaque ses deux pierres, blanc capture, et c'est la fin. Donc il n'y a pas de souci pour blanc. C'est pour ça que noir a fait cette résistance, il est venu ici, et là maintenant je ne peux plus vraiment continuer à jouer par là, parce que si noir coupe et que je descends, ça a l'air assez compliqué pour blanc. Noir peut continuer par là, et quand il protège ici, blanc est quasiment obligé de jouer en J3, sinon, imaginons n'importe quoi, j'essaie de faire la place en haut, noir peut venir ici et fait deux yeux. Donc blanc vient là, mais à ce moment-là, noir doit pouvoir jouer par ici. Si blanc descend, noir vient par ici. Et là, blanc ne peut plus aller là. Pourquoi ? Parce que s'il y joue, toutes ces 5 pierres n'ont plus qu'une seule liberté ici. Donc ce genre de petit coup, je ne vous demande pas de retenir, hein, forcément, mais on appelle ça un Tesuji. C'est un coup infaillible, en soi. C'est pour ça qu'à ce moment-là, blanc connecte, joue solidement avec ses pierres. Et noir connecte. Maintenant, la coupe ne marche plus. Si blanc coupe, noir vient ici. Et ça, c'est une séquence assez classique quand une pierre est en deuxième ligne comme ça. Elle est mise en atari vers le bord. Blanc ne peut plus s'enfuir. Là, tac. C'est d'ailleurs pour ça que à chaque fois qu'il y a une séquence comme ici, où la pierre noire réduit un territoire, et que l'adversaire répond comme ça, on répond très souvent ce coup-ci. Parce que c'est le coup que l'adversaire aimerait bien jouer. Si là, noir joue ailleurs, blanc peut venir ici, et c'est la situation dont je vous ai parlé. Noir descend ici, blanc met atari, noir fuit et se capture. Donc il faut protéger comme ça, et d'ailleurs, il faut très rarement protéger comme ça. Quelquefois, il faudra protéger comme ça quand
on cherchera la vie pour essayer de faire des yeux plus facilement. Mais 9 fois sur 10, jouez de manière solide. Là, les pierres sont connectées en obi, et en obi, il n'y a plus rien. On va retourner à la partie. Hop, c'était un petit peu avant. Voilà. Noir protège. Blanc protège son territoire. Ici, pourquoi est-ce que j'ai joué là et pas à un autre endroit pour fermer des territoires? C'est encore le même principe qu'au début de partie. On voit qu'au milieu, oui, il n'y aura pas de points pour l'un comme pour l'autre. Ou en tout cas que 1, par exemple. On peut jouer de ce côté. Le territoire n'est pas fermé. Ce qu'il y a, c'est que c'est sur la première ligne. Et si blanc y joue, il joue, noir répond. Et blanc est en atari avec cette pierre en E9. E9 pardon. Donc il défend. Blanc est goté, il perd initiative. Une autre possibilité de jouer de ce côté, encore une fois c'est sur la première ligne. Mais par contre cette fois-ci, effectivement, blanc est senté. Il garde l'initiative. Donc pourquoi pas. Ici, en jouant assez rapidement tout à l'heure, j'aurais pu jouer C1, ça aurait pas été mauvais. Après, c'était le risque que noir saute ici. Et même si je peux réduire là, il n'y a pas d'œil ici. Parce que si j'essaie de faire la place, noir sacrifie sa pierre, je capture, et on n'a pas d'œil. On est bien en atterri avec ces trois pierres. Donc c'est dangereux. Donc il n'y a pas vraiment d'œil ici, dans le coin. Et là, maintenant, en jouant par là, est-ce qu'il y a vraiment la place de faire deux yeux ici, sachant que D1, c'est un faux œil, parce qu'un jour, les pierres blanches ici seront mises en atterri. Donc D1 sera complété par blanc. On a une forme en 4. Qu'est-ce qui se passe avec les formes en 4? Si on va à l'intérieur en premier, c'est compliqué. Donc c'est très risqué de faire ça. Donc de manière intuitive, j'ai voulu jouer en deuxième ligne. Ça a l'air d'être plus gros, plus de potentiel. Et après, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Noir joue ici. Ce coup, il s'est senté, justement, il garde l'initiative. Parce que si je réponds ailleurs, effectivement, je peux faire atterrir sur ces trois pierres. Mais là, il ne répondrait pas. Il reviendrait ici. Et si je protège ma pierre, je suis mort dans le coin. Et même si je ne la protège pas, en fait, si je joue là par exemple, il joue ici. Cet espace C8 est un faux œil. Et maintenant, on n'a plus que la forme en 3, noir joue dedans, on est mort. Donc même si on peut capturer ces 3 pierres, ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus tous les petits points qu'on fait à l'intérieur, c'est beaucoup plus gros. C'est pour ça que là on défend, et ensuite noir peut continuer à jouer. Il joue ici, on descend. Il joue là, ce qui était un coup un peu bizarre. On capture. Et il défend. Pourquoi est-ce qu'il défend ici? Encore une fois, ici, il y a un petit Tesuji. Petit coup infaillible. C'est des coups qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont pas forcément faciles à voir. Imaginons, noir joue de l'autre côté. Blanc peut alors venir en J5. On voit que ces 4 pierres n'ont que 2 libertés. Une ici, et une deuxième là. Même si on a une très belle forme ici, hein, la gueule de tigre dont je parlais. On est sur le bord, donc on est réduit en possibilités. Si blanc fait atterrir, noir protège. Il joue sur sa deuxième liberté disponible. Mais alors, blanc peut revenir faire atterrir de ce côté. Là où noir a joué dans la vraie partie. Noir capture la pierre. Mais à ce moment-là, blanc descend en J7. Et blanc n'a que deux libertés, certes. Mais noir, ici avec toutes ses pierres, il n'est pas connecté ici, c'est en diagonale. Il n'a qu'une seule liberté, même si c'est un œil, il n'a plus qu'une seule liberté intérieure. Et donc, quand noir fait atterrir ici, blanc a le droit d'y aller. Et capture tout. Normalement, on n'a pas le droit de jouer, par exemple ici, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de jouer à l'intérieur. Parce que c'est un coup interdit. On n'a pas le droit de se suicider au jeu de go. Sauf si on capture en premier. Donc là, on attaque par l'extérieur. Noir nous attaque, on n'a plus qu'une seule liberté, mais c'est à blanc de jouer. Et on capture. C'est pour ça que dans la partie, noir a défendu solidement. Ce qui nous laisse le senté en bas à gauche. On prend ça, et noir défend. Ensuite, on vient ici. Si noir ne répondait pas encore une fois, imaginons il joue ça, on joue ça, il défend. Je disais qu'il y avait ce coup-là. Ces deux pierres noires sont en atari. Elles n'ont plus qu'une seule liberté, en dessin. Donc il y joue. Mais alors, on peut jouer ici. Et là, cette forme devrait vous parler. C'est comme si on avait, petite modification, tac, cette forme-là. Où noir descend, blanc descend, noir fuit et blanc capture.
C'est encore une fois cette forme-là. Donc il y a des faiblesses. On voit d'ailleurs justement à ce moment-là que si la pierre E9 était en F8, il n'y avait pas ce problème, comme ici par exemple. Donc dans la partie noir protège, blanc joue par là. Ici en fait on compte. Si je vais là, tac, ici j'aurai 3 points, et effectivement ici j'en ai que 2. Mais si j'avais joué de l'autre côté, imaginons ça, tac, 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 et que noir vient par là, un jour ou l'autre, peu importe par où je fais la taille, je devrais rajouter une pierre par ici. Pourquoi? Parce que, imaginons n'importe quoi, voilà. Noir, quand il joue ici, blanc descend, mais en fait, il est contre le bord, et il se fait capturer. À ce moment-là, blanc n'a que deux libertés, c'est une faiblesse un peu semblable à ici. Il faut faire attention à ses libertés quand on est sur le bord. Donc blanc défend. Et là on voit qu'on n'a pas le point ici, donc 1, 2, mais on a eu 1, 3. C'est pour ça que dans la partie, j'étais me demander est-ce qu'on joue là ou est-ce qu'on joue là. Parce que ça revenait au même. Donc j'ai joué un des deux. L'adversaire vient là, je protège, il réduit, je protège, il vient là. Je joue le damé, il joue le deuxième damé, les coups qui ne servent à rien, on va dire. Et je passe. Et là, il a abandonné directement. Pourquoi? On va compter les points. Alors, noir a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noir a 20 points. D'accord. Blanc, lui, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus 7,5, il est à 19,5. Donc noir a abandonné en gagnant de 0,5. Assez étonnant. Parce que je n'avais pas compté dans la partie, donc noir gagne de 0,5. Donc voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi si vous voulez plus de contenu similaire. Sur ce, je vous dis bonne fête de fin d'année, et à la prochaine. Salut !